rattrape demain sur le sud-est de la France avec de la pluie, mais aussi des orages sur la Côte d'Azur et la Corse ce matin et jusqu'au Gard l'après-midi. Notre situation n'évolue pas beaucoup, on aura toujours un cyclone aussi entre les îles britanniques et la Scandinavie, mais cet anticyclone nous place dans un flux du nord-est, ce qui a permis à cette perturbation d'arriver au cours de l'après-midi. Elle a déjà donné des pluies faibles à modérées sur la Lorraine, elle va traverser le pays tout autour de la nuit, et demain, ça va ici bloquer sur les Pyrénées, et à l'arrière, on sera déjà concerné par un ciel de traîne, c'est-à-dire des averses. Mais il y aura une dépression qui se sera donc creusée entre la Côte d'Azur et la Corse, qui nous donnera ces précipitations sur le sud-est. Des pluies qui sont accompagnées d'orages, ces orages l'après-midi gagneront jusqu'au Gard. Alors on retrouvera un temps sec ici sur la Gironde ainsi que sur toutes les régions de la moitié nord, mais avec toujours cette bise qui va souffler jusqu'à 60 km/h, qui va un petit peu renforcer la sensation fraîcheur. Nos températures demain matin sont en hausse, 1 degré la minimale à Strasbourg et à Reims, la maximale 10 degrés à Perpignan. L'après-midi en revanche, les températures vont baisser, on perd 3-4 degrés, 6 degrés la minimale à Lyon et 15 degrés la maximale à Ajaccio. Les tendances, avec un temps à peu près calme, jeudi en tout cas très ensoleillé sur le nord et jusqu'aux Alpes, mais nous aurons toujours plus d'orages qui vont se déplacer, on va les retrouver ici sur les Cévennes et quelques averses sur le sud-ouest du pays. Vendredi, on va passer dans un flux de nord, les nuages vont arriver par les régions les plus au nord, et vous voyez, elles vont s'enfoncer samedi sur toute la moitié nord. Cette fois-ci, les nuages là sont plus nombreux que les exercices, ce sera le cas également dimanche, on aura un petit peu d'instabilité qui arrivera, vous voyez, par les Pyrénées et le sud-ouest de la France, tout ça avec un peu de fraîcheur. Tout de suite, c'est le journal de 20h, il n'y a plus Jajaz. Je vous retrouve juste après, tout à l'heure.